Hello everyone, welcome. Welcome to this session of the FIFA Evaluation Week. I'll just wait a few minutes to have everybody come in. So we're going to start now. Hello everyone again, and welcome to 40 years of evaluation at the AFDB, the closing session of the 2020 Evaluation Week. I am Felicia Avwantum, your moderator for this session. Colleagues, this year, Independent Evaluation celebrates 40 years of evaluation at the African Development Bank. Since the first evaluation unit was established in 1980, evaluation has become an integral part of how the bank operates, how it is held accountable, and how it learns from what works and what does not. What was a single unit grew into the operations development, operations evaluation department, and eventually independent development evaluation with over 40 staff. Our focus during this session is to see how the evaluation function at the AFDB has evolved over time and the people, events that made it happen. We will take a walk down memory lane. We'll give you an opportunity to listen to and have a chat with staff who have been with the department for almost from the very outset. And then we'll listen to closing remarks from the CODE chair. But first things first, here are a few guidelines for the session. Please note that all microphones are muted by default and that participants cannot unmute themselves. We will unmute and remute participants when they need to speak. French-English interpretation is available, so everyone will be invited to speak in the language in which they are most comfortable. To listen to interpretation, click on the small world icon on the Zoom toolbar located along the bottom of your screen and select the language of your choice. To ask a question or make a comment, please use the Zoom feature at the bottom of your screen, write in your questions, and we will try to get them. We tried to start on time, so I hope everybody is in now. And so we'll continue with our program. If there's any issues, please feel free to send a note in the question and answer chat box, and the organizers will try to help. As I said, we're gonna take a walk down memory lane. So I am delighted now to present Karen Rodd-Munsterman, the Acting Evaluator General, to guide us through the next segment of our program. Karen? Yes, thank you very much, Felicia. And welcome all participants in this session on 40 years of evaluation at the AFDB. When Evaluation Week was first organized in 2012, back when the bank was in Tunis, and this Evaluation Week at the time was actually organized by Felicia, our moderator today, at that time the evaluation function was called OPEV, Operations Evaluation Department. At that time, 2012, OPEV celebrated 25 years of existence. There was a whole session at the Evaluation Week about 25 years of OPEV, having been created in 1987. But actually, the first evaluation unit at the bank was created in 1980, 40 years ago. Today. And so that is what we are celebrating at this Evaluation Week, 40 years of evaluation at the AFDB. Because when it was set up, it was just a small division, it wasn't yet independent. And so it really has come quite a long way since that first unit was set up.
We've created a video, an animation to show the evolution of evaluation at the AFDB, which we're going to show to you now. Jackie, please go ahead. Can you see my screen? Yes, we can. All right, thank you. Am I back on? Yes, you are. Yes, thank you for that walk down memory lane. And I like where you ended. I want to be on the beach with you guys. So next time, please invite me. But really interesting is the sheer numbers of evaluations, of recommendations, of the number of visitors to your website
really shows that evaluation is taken very seriously at the bank, and that we are really, that as an institution, the bank is really serious about learning from what works and what does not work. And so this is really interesting and very impressive. I know you in the video also, some former colleagues mentioned, shared some of their thoughts about evaluation. And that's a good lead into the next section, where we're going to bring on board five colleagues, some current, some recently left, who are going to just follow on with on that and take us down memory lane, talk to us a little bit more about where evaluation started, where it's going, where we are at this moment, and that kind of thing. So this is continuing on that walk down memory lane. Before we actually get into the session, I'll have the different panelists just introduce themselves so you know who they are. We'll have first up Mr. Mohamed Manai, Mr. Toure, Ms. Diop, Mr. Gakuzi, and Mr. Mwanda. And that's it for the formal way of saying their names, because these were former colleagues. I'm just going to call them by name. And I'll ask Mohamed Manai to just briefly introduce himself, followed by Fode, Mirta, Joseph, and then perhaps Anias, and I hope he's on. Oh, I'm sorry, I forgot to turn back on my video. I am here. So sorry. Just one moment, please. We're having some technology issues. It won't be long here. I'll just go back up. I'll come back on in a bit while Mr. Manai is introducing himself. Are you there, Mohamed? Bon, bonjour, tout le monde. Je suis là. Yes, good morning. Je suis là. J'ai rejoint la banque le 4 mars 1991 et j'ai quitté le 30 septembre 2014 après 23 ans et demi de séjour à OBEV et aussi à IDEV après cela. Voilà. Merci. Thank you, Mohamed. Fode, are you there? Hello, Fode, are you there? Fode? Micro. Well, as Felicia has already said, my name is Fode Toure. I joined OPEB then in December 2004 and retired 30th of September 2020. So I spent close to 16 years in BDEF now. So I'm here to contribute to this very important event. Thank you. Wonderful. Thank you, Fode. Is Mirta there? Hi, Mirta. Bonjour tout le monde, c'est Mirta Diop. J'ai intégré le département OPEV en 2006, où je suis en charge de tout ce qui est administratif et du budget. Merci. Wonderful. Thank you, Mirta. Is Joseph there? Joseph Mwanda? Merci, Félicia. Je suis Joseph Mwanda. J'ai intégré OPEV en septembre 2001. Ça fait pratiquement 19 ans que je fais de l'évaluation, uniquement de l'évaluation. Wonderful. Thank you. Thank you. And colleagues, my apologies, I can't turn on my video yet because I'm having some technical issues as well. As in, Anias was also having technical issues. Have you been able to join us, Anias? Est-ce que j'arrive à vous, à me connecter? Moi, je suis arrivé à la banque et à IDEV, qui était au PEV à cette époque-là, en septembre 2004. Et je quitte le 31 décembre. Je vous souhaite déjà une très bonne année. All right. Thank you. Right. Sorry. Thank you. Thank you, Nes. So, as you can see, a lot of experience in this amongst our panelists. If we add up the number of years of experience, it comes up to more than 75 years of rich experience in evaluation. And it's interesting that most of them have stayed in the department for that long. It must speak to
the passion that they have for the work that they're doing. So without much further ado, then let's get right into our questions. We're going to have them share their experience with us. The way this session will run is that we will first just have a conversation with them, and then they'll share with us their reflections, experiences, and all that. And then we will come to you for your questions and for them to answer. And then we'll wrap up this session before we go on to the next one. So we'll just start with, I'd like to start with Inayas, who joined the bank, as he said, I've forgotten the year now, because I was struggling with my IT, but he's been at the bank for over 15, in IDEF for over 15 years. So Inayas, tell us, when you look back during this period when you've been at the AFDB in the evaluation department, when you look back, what has been the biggest change in IDEF since you joined? Inayas. Merci, Felicia. À vrai dire, comme pour cette question, je dois répondre, et puis Myrta aussi, et on a vu qu'on avait le même constat par rapport à ce que nous considérons comme le plus grand changement. Il a été convenu qu'on fasse une réponse conjointe, donc je donne ma réponse et puis elle continue de façon interactive. Permettez-moi d'abord d'introduire cette discussion en faisant référence au philosophe Paul Ricoeur. Est-ce que vous m'entendez tous? We can hear you. Yes, please go ahead. Okay. Donc, c'est pour dire qu'en tant que personnel de la banque, à quelque titre qu'on est, nous ne sommes ni le commencement ni la fin. Nous survenons en quelque sorte au beau milieu d'une conversation qui est déjà commencée et dans laquelle nous essayons de nous orienter afin de pouvoir y apporter notre contribution. Et on se trouve tous dans ce contexte. Comme je disais, j'ai rejoint la banque en septembre 2004. J'ai trouvé une situation qui est actuellement très différente à bien des égards. Le plus grand changement que je perçois est celui de la dynamique de la population du département. J'emprunte ce concept de dynamique de la population, la démographie, pour désigner la taille, la structure et le mouvement de la population résultant des naissances, des décès et de la migration. Conjuguer ces événements détermine si une population augmente, si elle diminue ou si elle reste stable. Donc, Myrta et moi-même, on se met dans ce cadre-là de la dynamique de la population du département et on va illustrer cette dynamique en comparant la situation qui prévalait au moment où nous sommes arrivés à la situation existante actuellement. Myrta, je te passe la parole pour présenter la situation qui prévalait et celle qui prévaut maintenant. Merci, Enéas. Comme tu l'as si bien dit, à mon arrivée en 2005, le département n'était que de 14 personnes et nous étions supervisés par un directeur. Et parmi ces 14 personnes, nous n'avions que 2 PL, 3, 8 PL4 et je crois 3 AGS. Et la majorité du personnel était masculin. Nous n'avions qu'une seule femme PL à cette époque. Pour vous dire qu'il y a un grand changement depuis lors. Les PL, nous n'avions aussi que des PL4. Il n'y avait pas de PL6, il n'y avait pas de PL8, il n'y avait pas de PL en dessous de PL4, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Nous n'avions que de PL4, nous allions au AGS. Il y a encore un grand changement à apporter jusqu'à ce jour. L'organisation était plate, comme Inéa s'est dit, nous n'avions pas de division, il n'y avait qu'un département avec un directeur à la tête. Voilà les grands changements dont je pourrais parler maintenant.
Merci. All right. Thank you, Mirta and Inayas. So what I'm hearing is that the department has grown in size, composition, and structure. And along with that, it has become more visible. And I imagine it's having greater impact. That's an interesting, and I see that, yeah, Mirta is definitely the budget person. She's brought us all the numbers. And it would be also be interesting to see how else the department has changed. I think in an earlier conversation with Joseph, you were saying one of the changes you've noticed is the transformation of the bank from an approval culture to an effective results-based culture. Can you talk to us briefly about that and whether you think we have succeeded in that kind of transformation, Joseph? Merci, Félicia. Avant de parler de la notion de culture au sein de la banque, je vais un peu expliquer pourquoi au départ on avait des professionnels PL4. En fait, au moment où j'avais rejoint la banque en 2001 en tant qu'assistant d'évaluation, le département était marqué par les conséquences de la restructuration qui a suivi le rapport de David Knox sur la qualité des projets. Ce rapport était sorti en 1994. Et donc, le département ne comptait que des cadres supérieurs comme professionnels. Et la plupart d'entre eux étaient d'anciens chefs de division qui avaient été rétrogradés à des positions inférieures au cours du processus de restructuration de la banque. Par conséquent, le département de l'évaluation était considéré au sein de la banque comme un département garage. Et comme on l'a dit, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le département comprend des professionnels aussi bien que des seniors en tant que professionnels. Et en outre, l'importance du département est maintenant mieux reconnue et appréciée au sein de la banque. Mais ce qui a plus caractérisé, et ce que j'ai noté, et ce qui a été difficile pour tout évaluateur, c'était le contexte de la banque. La banque avait un contexte, je vais dire, une culture d'approbation. Et lorsqu'on a une culture d'approbation, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'un projet était approuvé au conseil, les gens se partageaient du vin, du whisky, et c'était le plus important. Que le projet soit approuvé et on passe au next projet. Et ça, actuellement, je crois que notre travail commence à être facilité par le fait que la banque commence à intégrer cette culture de résultats et d'apprentissage. Donc, voilà ce que vraiment est au sein du département et notamment le contexte dans lequel le département travaille actuellement, ce qui a véritablement changé, ce passage qui est encore long, mais irréversible, vers une culture d'approbation, d'une culture d'approbation vers une culture des résultats et d'apprentissage. Merci. OK, thank you, Joseph. As with most things, it's a journey. We're on the journey, and I'm glad to hear that we're making progress. I'm looking here, just a quick reminder to our colleagues, the use of acronyms, because I see somebody's asking, is PL some sort of job grading system? So we'll try not to use the acronyms, since some of our guests are from outside the bank. I also see a question about what has changed. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la méthodologie de travail et dans les livrables? And I'm going to ask Fode to plan to answer that question in a bit when we come back to him. Give you a little bit of time to just think about that. But I'd like to, before we come back to that, just ask Mr. Manai whether he has any other thing to add on the side of what has changed and to continue on to talk about what would be his fondest memories, what are the things he remembers most about his time at the ADB. He is now retired, but he was there for a very long time and really helped shape the department. So Mohamed, are you online? Oui, Félicia, je suis là. Je suis vraiment enchanté d'entendre les collègues
de parler des changements, etc. Et je dois dire que à ce niveau-là, le véritable changement qui s'est opéré au niveau du département, c'est son gain de crédibilité, à savoir la qualité de ses livrables et l'appui que nous avons résolument obtenu de la part de nos administrateurs du conseil d'administration à travers son comité des opérations et de l'efficacité de développement. Ceci est très important parce que depuis bientôt, je dirais, une dizaine d'années, nous recevons des rapports d'évaluation de qualité touchant à la fois des évaluations institutionnelles, des évaluations thématiques, sectorielles, des évaluations groupées qui ont touché tous les domaines, tous les aspects opérationnels et de politique au niveau de la banque. Maintenant, nous avons un grand appétit de la part de la haute direction et du conseil de ces évaluations-là qui favorisent le changement. C'est-à-dire qu'ils ont gagné un degré d'influence au niveau des décideurs de la banque et c'est ça ce qui réjouit surtout la présence d'un département de l'évaluation qui est indépendant. À toi, Félicien. Alors, je dois continuer, en fait, sur les moments les plus mémorables dont je garde un très, très bon souvenir. C'est le rôle du département et de la banque dans le renforcement des capacités de nos pays africains en matière d'évaluation. Je dois peut-être rappeler qu'en 1990, la première conférence régionale sur l'évaluation a été organisée par le département conjointement avec le réseau d'évaluation du comité d'aide au développement de l'OCDE. À cette époque-là, en 1990, ça a marqué un tournant au niveau de l'évaluation, au niveau du continent. Bien sûr, à cette époque-là, l'évaluation était beaucoup plus assimilée à l'audit ou l'audit de performance et qu'il y avait parfois des mésententes au niveau des concepts. Mais ça a été un déclenchement des conférences régionales sur l'évaluation à cette époque-là. En 1992, par exemple, il y a eu la conférence en Malaisie, à Kuala Lumpur, pour la région de l'Asie. En 1993, il y avait le lancement d'une conférence régionale de l'évaluation en Amérique latine, à l'Équateur, à Quito. Et puis, en 1994, à Canberra, en Australie. Et de là, nous constatons un effet de boule de neige d'une simple conférence qui a été animée en 1990 d'Abidjan. On retrouve presque l'ensemble des événements qui ont caractérisé le développement de l'évaluation, non pas au sein de la banque, mais à l'échelle du continent. Et je dois dire, par exemple, qu'en 1995, l'association des évaluateurs africains, AFREA, a été créée. En 1996, il y a un comité de coordination des groupes des banques multilatérales, ECG, Evaluation Cooperation Group, qui a été créé. Et je dois dire également qu'à cette époque-là, nous avons fait une autre conférence à Abidjan pour cristalliser un peu les leçons qui ont été acquises depuis 1990. Et le moment où j'étais présent, c'était nous avons organisé en tant que département petite équipe, en 1998, à la deuxième conférence sur l'évaluation à Abidjan, qui a groupé plus d'une douzaine de pays africains, 350 participants, avec des présentations, des représentations, avec je dirais, une présence à la fois des gouvernements, de la société civile et du secteur privé pour dire qu'en Afrique, on a amorcé le processus de cette culture d'évaluation dont Joseph parlait. À cette époque-là,
Donc, parmi les 350 participants, il y avait des gens qui ont commencé à s'intéresser à l'évaluation par la création de réseaux nationaux de l'évaluation. Je dois dire qu'il y a des réseaux au Kenya, au Ouganda, au Niger, partout dans le monde francophone et anglophone. Et même des pays ont poussé au-delà donc, cette fonction de gouvernance de l'évaluation, surtout au Bénin, par exemple, ou dans d'autres pays qui ont créé des politiques nationales d'évaluation. Donc, pour moi, vraiment, la capitalisation à partir de 1990 jusqu'en 1998, ça a été très marquant pour moi personnellement, qui a contribué à l'organisation de cet événement. Voilà, à toi, Félicien. All right. Thank you, Mohamed. We can see that rich experience coming through. And just a heads up for you, when we come to the questions from the audience, there's a question already, which I think you'll be able to answer. What can you share with young evaluation officers to have such a brilliant career? So keep that in mind as one of the questions we're going to come to you for. And I know I already asked Fode to think about another answer. But such rich experience, the work developing evaluation capacity in RMCs, strengthening evaluation systems, we see the breadth and depth of the work that you've been doing in the department. So many memories there. Mirta, I'll ask Mirta as well, any memories as well? You've also been there for very long. What are your most memorable moments there in IDEF? Something brief. Merci, Félicia. Pour moi, le moment que j'ai beaucoup apprécié, qui a été très mémorable, c'est lors de la célébration des 25 ans de l'évaluation, a été initiée la remise des trophées et la distinction des anciens directeurs. Un trophée a été remis aux anciens directeurs. Et ça a été vraiment un moment marquant pour moi parce que ça a eu une reconnaissance à travers la remise des trophées à notre travail. Le meilleur, je crois qu'à cette époque-là, un trophée a été remis au meilleur rapport de qualité en ce qui concerne l'assainissement et l'eau en Tanzanie. Allô? Yes, we can hear you. You hear me? Yes, we can hear you. OK. Et donc, c'est ce moment-là qui m'a vraiment le plus marqué. Monsieur Mana pourra peut-être mieux parler de la distinction des directeurs, des anciens directeurs. Et puis Fode et Mwanda, peut-être du PCR, qui a été nominé à cette époque-là. All right, wonderful. Thank you, Mirta. Let me ask as well, Fode and Ineas, a quick short answer, your most memorable moments, anything quick you can share with us? Fode. For me, one of the things that I have taken note since I came to BDEF is the rebalancing of the roles of evaluation in the roles of independent evaluation in at the AFDB in terms of accountability, learning, and evaluation culture. That basically is very important in the sense that it gave us the impression that BDEF was learning and BDEF was listening. And this eventually led to be able to respond to this rebalancing or remixing of the roles of evaluation led to the change in the structure of BDEF. Because basically to be able to respond to that, you need that sort of change. Thank you. Right, thank you for it. Just before I go to Anais, you talked about the structure, and I want to just pick up on that because there's a question that I see where somebody says that, can you please be specific for people who are outsiders to understand the structural structural organization of the bank. Fode, could you just maybe explain where the IDEF department, how it is located within the structure of the bank, that the reporting relationship, just very quickly,
and then I'll go to Enias for his memories, and then we'll move on from this section. No, as one of the colleagues has just said, that is Mohamed, that IDEF reports to the committee. Hello? Yes, we can hear you. As one of the colleagues has just said, IDEF reports to the Committee on Development Effectiveness of the Bank, that is in so is CODE. And so basically, the BDEF is reports directly to CODE, but administratively, it's got an indirect relationship with the presidency. So basically, to say that BDEF is not considered within the management structure of the bank per se, because it's report directly to the Committee on Development, to the board through the Committee of Development Effectiveness. So. Wonderful. Thank you, Fode. And at the end of this session, the session and evaluation week will be closed by the chair of CODE indeed. So that's good. Thank you, Fode. I'd like to give Enias just a quick opportunity to share a memorable one memorable moment. Are you there, Enias? Oops, c'est bon. Je suis revenu. Peut-être qu'il y a quelque chose de symbolique pour moi et qui rejoint ce qu'a dit Mohamed, c'est par rapport au département, c'est effectivement la crédibilité. C'est juste dernièrement, au mois de juillet, lorsque nous sommes allés présenter Karen, Raphaël, Fodé et Mohamed. Même, nous sommes allés présenter les rapports d'évaluation sur le développement du secteur financier et sur le secteur privé. Et je me rappelle, dans ma présentation, j'avais fait remarquer que le département qui s'occupe du développement du secteur financier savait d'où il venait, savait où il est arrivé, mais ne savait pas où il allait, parce qu'il manquait des indicateurs de résultats défini au départ. Et un membre de CODE a pris la parole et il a dit ceci venant d'IDEV doit être pris au sérieux. Donc je confirme que la crédibilité c'est quelque chose de très important et je suis ravi d'avoir fait partie de cette évolution. Merci. All right. Thank you, Enias. Obviously, yes, the fact that most of you have been there for so long shows that you really enjoyed what you were doing and that you have a passion for evaluation work. So I'd like us to move now to another set of questions for us to get a better sense of what it's like really working in evaluation at the AFDB. So I'd like to start with Joseph. What is it really like working in evaluation at the AFDB? What do you like most about it? What has been most important for you? We'll start with Joseph, and then I will give the others an opportunity to also respond. Joseph? Okay, merci, Félicia. De formation, je suis statisticien économiste, et donc l'aspect analytique est très important pour moi. Mais ce qui me plaît le plus dans ce travail, c'est le fait qu'il m'offre une opportunité unique d'interagir avec les gens sur le terrain et dans des conditions différentes. C'est en fait la seule façon de mieux apprécier l'impact de nos interventions et de découvrir les histoires inédites et les sentiments réels des gens. Les rapports ne donne pas nécessairement toutes les informations. Être sur le terrain, discuter avec les parties prenantes. Il y a d'autres rapports qui restent dans la tête. Il y a des choses qui ne sont pas dans le rapport, mais qui restent dans la tête parce que vous avez pu discuter et voir ce que les gens font. En outre, le fait que notre rôle en tant qu'évaluateur indépendant aide la banque à apprendre et à améliorer ses opérations, ses stratégies et ses politiques me procure, moi personnellement, une grande joie, car je sais que je participe à l'amélioration
des conditions de vie des populations en Afrique. Voilà, merci. All right. Thank you, Joseph. Mohamed, any quick words about that? And then Mohamed, we'll go to Inayas and Foda, and then we'll round out this session. Mr. Mohamed Mahanai. Je dois dire que travailler à IDEV a été quelque chose, je dirais, de surnaturel, en ce sens que différentes cultures, différents backgrounds, différentes compétences qui étaient cumulées ensemble pour produire vraiment des rapports de qualité. Cet esprit de collaboration et de famille, je dirais, était transmis à travers nos rapports où il y avait surtout une entente sur les constatations, les conclusions, les leçons que nous devons apprendre, que la banque doit tirer, et ainsi que les recommandations. Je dois dire que également de travailler au niveau du département, et ceci procure d'abord, comme vous l'avez si bien dit, c'est la passion pour cette évaluation. C'est ça vraiment ce qui me plaît d'avoir été pour un certain temps, d'avoir fait partie, comme a dit Inéas, de cette longue conversation au niveau du département. OK, thank you. A conversation indeed that has gone on between you and the bank and stakeholders and external stakeholders. Inéas, any quick thoughts to add to that? C'est vrai que J'ai atterri au département venant de la recherche. Je faisais de l'économie et j'avais été recruté comme macroéconomiste. C'était ça l'annonce. Mais quand je suis arrivé, on m'a demandé d'écrire des mémos et franchement, je n'avais jamais écrit un mémo. Et donc, j'ai, comme disait Joseph, j'ai trouvé des gens très expérimentés. Même si... found people that were high. Ah. Est-ce que je continue? Is somebody trying to speak? Go on, Inéas, we'll let you conclude. Oui, comme disait Joseph, quand on est arrivé, il y avait quelques évaluateurs comme Mohamed qui avaient évolué dans le département, mais il y avait effectivement des gens qui avaient été parachutés au département et venant des opérations. Mais ces gens étaient très expérimentés et j'ai appris d'eux comment faire des mémos très rapidement. Ceci étant dit, je dirais que je pense avoir été chanceux parce que chaque évaluation que j'ai menée, j'ai pu m'entendre avec les opérations, même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec les résultats, on est arrivé à un consensus et je constate que effectivement les évaluateurs ont une façon de réfléchir. Quand on n'est pas évaluateur, on pense que ça va de soi. Mais quand on va sur le terrain et qu'on discute avec les parties prenantes, on constate qu'il y a une vraie différence entre un évaluateur et quelqu'un qui n'a vraiment pas une culture d'évaluation. Quand on va sur le terrain, les gens vous observent et ils concluent si vous êtes un good guy ou un bad guy. Chaque évaluateur, d'une façon ou d'une autre, lorsqu'il entreprend d'être en contact avec les parties prenantes, doit faire en sorte qu'il soit perçu comme un good guy. Et après, on peut arriver à faire comprendre les parties prenantes ce qui va, ce qui ne va pas. Sinon, on n'a pas accès à l'information. Merci. Okay. Thank you, Nice. You mentioned learning. That's interesting that word keeps coming up, which is really part of what evaluation tries to do. It's interesting to see that you're learning from each other, as well as making sure that colleagues are learning from evaluations. Now, we're in another few minutes, we're going to go over and take questions from the audience. But before we do that, I'm just going to do one quick round amongst colleagues here on the panel. Because we've been looking mostly at the past, that's the nature of evaluation, looking at the past, but we look at the past, better learn from the past to do better in the future. So let's turn our lens now towards the future. And I'm going to ask colleagues, all of them have been in the department for a while,
to turn towards the future as the show must go on, right? So the last question in this segment, and then I would like to start with Fode, is how do you see evaluation in the next 40 years? What are the challenges and opportunities that you see? I'll start with Fode. Thanks, Felicia. This is a tall order question in the sense that it's difficult to use the past to say something about what would happen in the future, because things are changing very fast, and that's one of them. But all the same, I'll just highlight three key challenges. One of them is the increasing culture of distrust of evaluative evidence. This basically is within the context of the overall culture of evidence and the issue of disinformation, misinformation, and sometimes people talk about fake news. So in effect, evaluation is in competition with these other types of information that are easily available to various clients. So basically, it's a huge challenge to make sure that evaluation is much more competitive in this area than these other sources of information. And then you have the issue of, which will not go away, that is the issue of evaluation capacity development, because this is a huge thing, because if the capacity is not well developed, it becomes difficult for evaluation to be able to produce the credible evidence and which is meaningful and useful. Then the other issue I would just like to highlight is the issue of how do we manage the effect or consequences of evaluations? Because we all know evaluation would produce winners as well as losers. But how do we manage those types of consequences? Some of them could be huge and with associated cost. Then thinking about beyond or trying to see what evaluation would look like, here we also look at within the context of the RMC, that is our regional development, our regional member countries, that is within Africa, you'll see that evaluation will gain traction, because for now we're having a lot of difficulty. Countries will be much more in a better position to talk about evaluation and in effect to demand and to the extent possible use evaluation. So I think we'll fall within that context, but that also require that you have more capacity development. People, you will have more evaluators, because as they become more, you have more evaluators in the on the continent, then they would be in a better position to pursue the agenda of evaluation, promote evaluation, and also ensure that evaluation is used. But for now, let me just stop here. Right. Thank you for the tall order, like you said, but you've put some really interesting points on the table, interesting reflections. But I must say that I never thought I would be talking about fake news in the context of work at the AFDB. I thought I would keep that to American politics, but you are absolutely right. This whole thing about disinformation and all that, I guess that comes with all the social media and the access to information that we now have. So that's an interesting take there. This is an important question, because what is important is how we go forward, how we learn from the past to do better in the future. So I'll have everyone weigh in on this one. I'll go to Joseph for your thoughts on the way ahead for evaluation. Merci, Felicia. Je crois que la première chose que tout le monde a noté, c'est le développement des nouvelles technologies. Et donc, peut-être que la manière de faire l'évaluation va changer, notamment avec les big data, l'intelligence artificielle et les données géoréférentielles. Donc, je me rappelle qu'en 2012 ou 2013, j'avais fait une évaluation d'un projet d'eau
Et lorsqu'on devait faire une enquête auprès des bénéficiaires, on a utilisé des questionnaires sur papier. Et donc, il fallait imprimer des papiers, donner aux enquêteurs un lot de papiers pour aller réaliser ces enquêtes. Mais en 2019, lorsque j'ai fait l'évaluation d'impact d'un projet routier, on n'a plus utilisé les papiers. On a utilisé les tablettes, on a utilisé les téléphones. Et donc, maintenant, les enquêteurs se promenaient avec des tablettes et des téléphones sur le terrain pour faire la collecte. Donc, la manière même de collecter les informations au niveau de l'évaluation va changer. Et en plus, avec ce gain, ce changement qui est en train de s'opérer du fait que maintenant la culture est maintenant une culture des résultats et d'apprentissage, je crois que l'évaluateur jouera un rôle beaucoup plus consultatif. Il ne sera plus qu'un technicien, mais il sera plus... bien sûr, il y a toujours un problème entre notre indépendance. Mais réellement, si on veut faire changer les choses, nous sommes obligés à un certain moment de travailler avec les opérations. Ce n'est pas pour faire leur travail, mais les guider à faire bien leur travail. Et donc, ce rôle consultatif, je pense, va de plus en plus améliorer. Et ce qu'on a noté, c'est que, en fait, l'évaluateur ne sera plus seulement un technicien, il sera un conseiller, il sera un coach, il sera même un communicant, parce que même la manière de donner l'information doit changer, parce qu'il faut être positif, etc. etc. Donc, voilà comment je vois un peu l'évaluation dans les 40 années futures. Changement dans la manière de collecter, d'analyser, ou de façon globale, changement dans la manière de faire des évaluations et jouer plus de rôles consultatifs pour aider. On est resté longtemps, 40 ans, à fournir des évaluations, etc., en pensant que les choses vont être mises en œuvre, les enseignements. Mais si on ne met pas la main dans la pâte, on risquera de revenir sur les mêmes situations 40 ans après. Donc, on sera maintenant plus, on jouera plus ce rôle consultatif que de rester un technicien qui vient avec des enseignements et des recommandations. All right, thank you, Joseph. So a changing role for evaluators, okay? That's another interesting perspective there, worth noting. We'll go to Inayas. Your thoughts on the way forward for evaluation, where you see evaluation going, what needs to happen, what are the changes, challenges and opportunities that you see? Merci, Patricia. Oui, je suis en train de me connecter. Bon, la vidéo ne vient pas, mais je peux parler. Je pense qu'au début, Mohamed a parlé de quelque chose d'important. C'est le rôle que le département a joué en organisant une grande conférence qui aurait mis en branle un intérêt grandissant de l'évaluation. Je pense que l'évaluation a de beaux jours devant elle. Je pense, je suis d'accord avec ce que ont dit mes collègues, les choses vont changer, les choses ont déjà commencé à changer, mais je pense que nous avons encore des difficultés déjà à mesurer ce qui est prévu, et dans le futur, le grand défi sera de mesurer les effets non prévus des opérations. Nous avons encore des difficultés à pouvoir traiter cette question. Et dans le futur, on peut imaginer qu'il y aura une plus grande sophistication dans les théories, dans les méthodes, de sorte qu'on puisse mieux embrasser la complexité, donc y compris les choses prévues et les choses non prévues. Merci. Right, that's an interesting note indeed. Things that in this world today, what has happened in 2020 shows us for sure that there's so many unexpected things happening, and that's an interesting point to make. Before I go to Mr. Manai to share his thoughts from the perspective that he was very much involved in the department and then he has stepped away for a while, and then he's heard what his colleagues have said about the way forward. I would like to have his perspective on what he sees compared to what's happening in the rest of the world.
But before I go to him, I'll just ask Mirta, who has been more involved on the administrative side, whether she sees any changes, whether she'd like to weigh in on this conversation. Mirta, are you still online? Oui, Félicia, merci. Écoute, n'étant pas évaluateur de culture moi-même, et vu tous les grands changements opérés depuis 40 ans, tant au niveau des projets et au niveau du budget, j'imagine que dans 40 années plus tard, l'évaluation aura un gros poste budgétaire au niveau de la banque, parce que nous sommes passés de 2005 de à peu près 2 millions d'unités de compte à 7 millions au jour d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir que le département a un gros poste budgétaire au niveau de la banque, ce qui donne une importance au niveau de notre structure. Et puis, je pense que les évaluations seront encore mieux comprises et intégrées dans toutes nos opérations et qu'on ne pourra pas faire sans le département des évaluations. Merci. All right. Thank you, Mirta. And somebody from the audience has called, taken me to task, and you are right, my apologies. And the person is saying, can you extend your question to Africa in general? Not only to AFDB, the bank is a major player driving development in Africa. The evaluation findings are very instrumental to hold regional member countries accountable and stay on a learning mode. I totally agree. And there's another question about, est-ce que l'évaluation de la banque pense influencer la pratique de gestion de projets dans les pays emprunteurs? Si oui, est-ce qu'on peut présenter les résultats obtenus depuis. Bon, on ne va pas présenter les résultats, but I'll ask Mr. Mohamed Manai, in reflecting on the way forward for evaluation, to keep these kinds of questions in mind. You talked earlier about developing evaluation capacity in member countries and that kind of thing. So how do you see the way forward for evaluation, given the role that the bank and its evaluation work plays in Africa? Merci, Félicia. Ce que je dois constater, c'est que d'abord, la fonction évaluation au sein de la banque a toujours eu la perception qu'elle était rétrospective, c'est-à-dire travaillant sur le passé pour éclairer le futur. Je pense qu'un grand défi maintenant, c'est que l'évaluation passe de cet aspect rétrospectif vers le prospectif, c'est-à-dire éclairer plutôt et avoir cette attitude d'anticiper les événements pour être vraiment tout près des décideurs pour qu'ils puissent eux-mêmes, en fonction de ce que l'évaluation peut leur apporter, orienter leur stratégie et leur politique. Et je pense que c'est ce niveau-là qui reste un défi très important. Faudé, je crois qu'à sa première remarque, a parlé de l'évaluation en temps réel, le real-time evaluation. Ceci se considère est fondamental de nos jours, d'être à l'écoute de ce qui se passe tant dans la banque qu'au niveau du continent et être prêt à livrer les leçons de l'expérience et d'être vraiment proactif à ce niveau-là et non pas fournir, si vous voulez, quelque chose qui est dans le programme. C'est-à-dire être en mesure de fournir au moment qu'il faut et aux interlocuteurs qu'il faut, les leçons de l'expérience. Et le real-time evaluation a cette qualité-là de produire en temps réel, comme ça a été fait par exemple pour la banque, de réagir au niveau de la pandémie COVID, de produire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que nous avons, par exemple, eu comme leçon de Ebola, et les présenter aux décideurs de la banque pour qu'ils puissent orienter leurs décisions en fonction de cet événement soudain et inattendu. Donc, pour moi, ceci est un défi très, très important du passé du rétrospectif au prospectif. Le troisième point, c'est ce que Joseph a appelé un peu cette pensée évaluative au sein, cette culture au sein de la banque qui, maintenant, elle est bien impliquée, mais il faut qu'elle soit continue et que le rôle de l'évaluateur
en faisant partie de cette pensée évaluative au sein de l'institution. Et je dirais qu'on peut transposer de la banque vers les autres, vers les gouvernements ou vers les pays de manière générale avec toute cette structure, d'avoir cette pensée évaluative au sein des principales composantes. Et cette pensée-là se traduit essentiellement tout au long des processus, des systèmes et des actions de l'action publique d'une manière générale ou privée. Et donc, ceci constitue un défi pour que l'internalisation des préceptes de l'évaluation puisse être appliquée, appropriée, et de pouvoir les utiliser d'une manière systématique, je dirais automatique, tous les jours. Je dois répondre peut-être à une question qui a été posée, c'est pour les jeunes évaluateurs. Qu'est-ce qu'il faut Alors, je dirais d'abord, il faut la passion. Il faut être passionné de l'évaluation. La deuxième, c'est la compétence technique, quel que soit le domaine d'où vous venez. Il faut que vous maîtrisiez votre domaine et puis être à l'écoute de vos interlocuteurs et essentiellement, même en descendant sur le terrain au niveau des bénéficiaires, et être transparent et de pouvoir partager. Parce que ce sont ces éléments-là qui vont vous faire donc un bon évaluateur sur le chemin. Je dois dire que la politique du département a été d'avoir toujours des jeunes recrues pour prendre le flambeau le jour où les vieux comme moi sortiraient, ou comme Ineas ou Fodé qui sont sortis aujourd'hui. Donc, de pouvoir prendre le flambeau et aller de l'avant. Donc, je dirais que l'évaluation a de beaux jours devant elle, mais d'apporter, donc d'aider les décideurs, que ce soit de la banque ou au niveau des pays, donc en temps réel, et de pouvoir d'anticiper un peu les attentes et d'aller au-delà pour pouvoir apporter une réponse. Merci. Thank you, Mohamed. I like that you've led us nicely into the next part of our show, of our exchange, where we're taking the questions from the audience, and you have responded to the question that somebody asked about aspiring evaluators. Let me continue in that vein and ask Fode the question I had sent over to Fode, the question about how the methodology has changed and the products have changed as we look through the questions to see which ones we can answer. We will not be able to answer all the questions on this forum, but I think IDEF will be sending out information package after the session, after evaluation week, and they will endeavor to answer all the questions. So we'll take the ones that we can, and then the rest will be answered later on. But Fode, let me come to you while we look through the other questions. Cannot hear you, Fode. Yes. Thank you. Thanks, Felicia. You hearing me now? Are you hearing me? Yes, we can hear you. Okay, thanks. Okay, maybe it's better. No, as I said earlier on, I'll start on the product side. I recall when I came, we were in 2004, end of 2004. The number of products were limited anyway that IDEF was engaging. One was project, the other was country program evaluation and some sector evaluation. So basically, but now you see that there are a number of new products that are there, like for instance, synthesis, which basically some people will talk about meta analysis. And we also have now cluster evaluations, which were not there before. And then the corporate evaluations also have the number, you have a higher number of corporate evaluations these days. And also impact, by then there was not much on impact, but now also we have, there is impact on the
some impact evaluations have been done. So basically on the product side, we can say that there has been an expansion. On the methodological side, as the product sides have changed, so also there is some aspect of the methodology, because basically when we now talk about cluster evaluation, use of new techniques, and also when I came in, well, it was not called basically theory of change, but now we've embraced what you might call theory-based approach in doing evaluation, which is very important, especially in responding to the questions like why, and also understanding the much more the mechanisms of transforming activities into some sort of output and outcomes. So basically, both sides, both the methods and also the products have changed a lot during this period. Thank you. Thank you, Fode. Inez, did you have anything else to say on that front? Oui, je pense que si on regarde ce qui se passait quand on est arrivé et quand ce qui se passe maintenant, on voit effectivement que il y a des évaluations très positives. Quand je disais que quand je suis arrivé, moi, je venais de la recherche, donc je connaissais les méthodes, mais je n'avais pas l'esprit d'un évaluateur. Et nous avions, je me rappelle, d'un conseiller, en plus des gens qui étaient plus expérimentés que nous, comme Mohamed et d'autres collègues, nous avions un conseiller qui venait de la Banque mondiale pour revoir les documents que nous écrivions, les documents d'approche, et ainsi de suite. Et maintenant, le staff est capable d'écrire ces documents sans qu'on ait recours à d'autres institutions. Et puis, au fur et à mesure qu'on est avancé dans le temps, maintenant, le département a développé et le manuel d'évaluation, il a développé différents autres outils, et jusqu'à maintenant le département est en train de développer ce qu'on entend ou expliciter ce qu'on entend par la théorie des changements, ce qui est une très bonne chose parce que ça permettra au staff mais aussi aux parties prenantes du département d'avoir la même compréhension de ce concept là, parce que c'est vrai qu'on constate dans beaucoup de stratégie ou politique, opération, qu'il y a un court-circuit dans la réflexion. Et du coup, c'est important qu'on aide les opérations à mieux expliciter ce qu'ils veulent accomplir. Merci. All right. Thank you. Somebody speaking. There's a question. Oh, my screen is moving there. There was a question about, we talked about it, but not in any great detail. There was a question about evaluation capacity in RMCs, where it is not so strong, what can be done? I just saw the question, what happened to it? But there's a question about in countries, in RMCs, where evaluation capacity is not so strong, what can be done and what else needs to be done? And I think I'll have, I think that will be Fode and then Manai answer that question. But I'm also just gonna give a heads up about another question that I'm going to have Inez look at. From your experience, how have you been able to strike a balance between the time constraint and budget constraint in the department with the rigorousness of your evaluation exercise? So let's speak first about RMCs, and I know it's been touched on, and IDEF is doing work in strengthening national capacities and all that. So can you just brief our audience a little bit more about what's actually being done and what else can be done? I'll start with Fode, and then I know Mohamed was involved in that before he left, and he's involved in that as well from the other side now, probably has some interesting perspectives to bring to that. Fode. Yes. Well, as I think one of the colleagues did mention, or it was in one of the previous sessions, that this issue came up. What is IDEP doing in terms of improving capacity in the RMC? I think basically here,
as I indicated before, when there was this remixing of the roles of the evaluation function at the ADB, I think capacity became also very important. It featured a lot. So in this regard, part of the mandate of the one of the divisions of one of the three divisions of IDEF is to deal with capacity development within the RMC, within and also within the RMCs. And in this regard, you, apart from trainings and so on, certain institutions have also been created, like UPNOD. This is the network of parliamentarians, anyway. IDEF is contributing to a number of initiatives in capacity development within the RMC, like CLARE, I think even the network of evidence in Africa. So basically, IDEF is contributing to the extent its budget and resources allows IDEF to do so. Let me stop here. Thank you. Thank you. That's interesting, Mr. Mana. You were involved in this work before you left IDEF, but now you're on the other side, because I see that you're doing work with countries, with organizations. Now, from the other side of the table, what else can the bank and IDEF be doing to strengthen national capacity, evaluation capacity at the national level? Ici, je pense que du moment que le renforcement des capacités, d'abord, ce n'est pas une one-off thing. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire une seule fois, à la fois, et puis passer à autre chose. C'est quelque chose de continu. Et puis, la demande est énorme, surtout au niveau du continent, en Afrique, où il y a toujours un besoin grandissant de plus grande gouvernance, d'amélioration des ressources, de la gestion des ressources publiques, etc. Il y a actuellement un mouvement international qui renaît avec différentes institutions, y compris la banque, qui s'appelle le Global Evaluation Initiative. Elle est prônée par la Banque mondiale, le PNUD, la Banque islamique et d'autres institutions pour le renforcement des capacités, qui prend à part ce qui est CLEAR, etc. Maintenant, ça devient une approche plus globale en vue de renforcer les capacités des pays pour essentiellement faire face aux défis les plus importants. C'est la réalisation des objectifs de développement durable, des SDGs, les ODD. Je pense qu'à ce travers-là, la banque a beaucoup de choses à dire et à s'occuper donc du renforcement des capacités qui est vers un objectif. Ce n'est pas renforcer les capacités pour renforcer les capacités. On doit renforcer les capacités pour un objectif qui est un objectif, je dirais, universel, qui est celui des droits humains et de droits au mieux-être à travers donc les objectifs de développement durable. C'est ça que la banque et cette initiative-là vient vraiment à point nommé pour apporter des choses. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait que la banque peut faire que les autres ne pourront pas faire? C'est essentiellement soutenir les jeunes évaluateurs du continent. Et je dirais qu'il y a des mouvements maintenant. Ces jeunes-là doivent être, choyés pour qu'ils puissent être à même de poursuivre cet élan d'évaluation. Il y a des jeunes évaluateurs qui pourront être utilisés dans le cadre de nos évaluations, des évaluations de la banque, ou qui peuvent être en internship, donc pour des stages donc au niveau du département, et pourquoi pas donc au niveau d'autres départements de la banque, mais avec une approche évaluative. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est ce que la banque peut faire. Merci, Félicia. Félicia, si vous permettez. Oui, vas-y.
Moi, je vais apporter une idée un peu additionnelle. Parce que je pense que capacité sans pratique, ça n'aboutit à rien. Je suis sûr que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'évaluateurs qui ont participé à des formations, que ce soit lorsque l'IPDET au Canada était au Canada, par tous les moyens en participant à des conférences. Mais je crois que ce qui manque, c'est l'opportunité de pratiquer. Ces évaluateurs ont participé à des conférences à gauche et à droite. Ils ont acquis les notions théoriques, mais ce qui manque, c'est la pratique. Moi, de mon côté, ce que j'essaie de faire dans mes évaluations, c'est favoriser le recrutement des consultants locaux. C'est un risque parce qu'ils n'ont pas parfois, ils ont les connaissances théoriques, mais pas parfois les connaissances pratiques. Mais c'est le seul moyen pour leur permettre d'apprendre et moi aussi, en tant que spécialiste d'évaluation, de leur apprendre de façon pratique comment l'évaluation se fait sur le terrain. Donc, on ne peut pas rester sur des renforcements de capacités. Aussi longtemps qu'on restera sur des renforcements de capacités, si on ne donne pas la possibilité à ces évaluateurs, qui sont ces évaluateurs africains, de pratiquer, ça sera difficile de pouvoir améliorer la pratique de l'évaluation dans nos pays. Donc, comme l'a dit M. Mania, l'utilisation des consultants juniors au sein du département participe à cet effort d'amélioration. Et l'utilisation des consultants locaux aussi pour faire l'évaluation avec le risque qui convient est aussi une approche qu'il faut encourager parce que ça permet de donner la capacité pratique, pas théorique, mais pratique. Et c'est très important pour les autres objectifs que nous voulons atteindre. Merci. Félicia. Thank you, Joseph. Oui. Félicia, une petite réponse à cet aspect du budget et comment faire l'équilibre entre le budget et le programme d'évaluation, en quelque sorte. En 2011, nous avons assisté à un triplement du budget grâce à l'appui à la fois de la présidence et du comité d'aide, donc du comité des opérations CODE, qui a triplé les budgets de OPEV. Maintenant, nous avons adopté une stratégie au niveau du département qui a fait qu'en sorte, on a fixé des priorités et les allocations de ressources vont vers les priorités qui ont été affichées au niveau du programme. Et les priorités ne viennent pas de OPEV, elles viennent après discussion avec toutes les parties prenantes du programme d'évaluation du département, commençant par les membres du conseil, les administrateurs, la direction générale, les vice-présidents, même le président donc, avait des sujets importants à confier à OPEV. Et là, cet aspect de priorisation du programme favorise essentiellement la prise en compte après des leçons et des recommandations de l'évaluation. Ceci a été marquant dans l'histoire de OPEV. OK. Thank you. Thank you, Mohamed. You talked about, we're running out of time. So as I said to colleagues, we will, your questions will be answered and sent out in the information package. But there's a question that came up on the screen at one point, and when Mohamed talked about the support that they had from senior management, I thought I would just throw this out there for a really, really quick answer about how you speak truth to power, because those are some of the challenges that evaluators face. How do you speak truth to power? And we're looking here for really things that can help people. We're not looking to criticize or anything like that. What are some of the strategies for speaking truth to power? And a quick round before we wrap up this particular session. And I'll start with, Joseph and then Fode, and then I'll ask the other two evaluators as well, and Mirta. Yes, Joseph, really quick answers I'm looking for here.
Sorry, I have some problem with connection. Can you state the How question? Do you speak truth to power? We're looking for strategies that have worked. We're not looking to criticize anything just for tactics that work, given the essential function of evaluation and knowing that that is a challenge. I didn't mean to put you on the spot, sorry. You know, as an evaluator, you should be ready. En tant qu'évaluateur, il faut être prêt à toute chose. J'ai l'expérience d'une évaluation où effectivement, on a eu des discussions entre... You're looking for tactics, strategies that would work. What's the best way to do it? The best way is to collaborate. Okay. You need to better collaborate with the evaluant. Wonderful. Thank you. Collaborate. How about Fode? As Joseph has just indicated, I think the most important thing is engaging throughout the evaluation cycle. It's not you should not provide space for surprises. I think it's very important. Wonderful. Thank you. Mohamed? Fode, oui, Fode m'a pris le mot. C'est le fait de ne pas prendre de ne pas prendre à la fois la direction ou les interlocuteurs par surprise. L'essentiel, c'est que mais deuxième chose, je dois dire que peut-être une petite anecdote au niveau de l'évaluation que nous avons fait sur le secteur privé. Nous avons eu 3 réunions préalables avec le président de la banque. OK. Puis après, une réunion générale avec les vice-présidents. Félicien, right. Peux dire quelque chose de ça, sur ça? Yes, bien sûr, merci. Thank you, Mohamed. Now we're getting to the passionate topics. Yes, Inès. We'll make it short. We're running out of time. We'll make it short. Je vais être très bref. OK. Un jour, j'ai posé cette question à Madame Franny Lothier, qui était First Vice President. Je vais poser la question de savoir si un évaluateur peut toujours dire la vérité au pouvoir. Et j'ai énuméré des cas où de grands professeurs au 19e siècle en Angleterre, où certains activistes ont dit la vérité au pouvoir et ils ont été massacrés. Alors, sa réponse... c'était celle-ci. Eneas, my advice is that you should balance your survivor and speaking truth. All right. Thank you, Eneas. Mirta, any quick words? You've seen it all. Are we looking for good practices that can work? Moi, je pense qu'il faut être diplomate. Hein? Il faut être diplomate et savoir parler parce qu'on est en Afrique et il y a une culture africaine. Il faut savoir parler au chef. Donc, il faut être diplomate. All right, wonderful. I think I didn't leave out anybody. Thank you all for that. We have to close up this session. We have like 5 minutes to do so. So I'm going to give you all an opportunity to describe IDEV in one word. What word would you use? Just give me the word that you'd use. And a quick, if you're too long, I'll cut you off, a quick reason why you chose that word. So let me start with Mohamed. How would you describe IDEF and a quick explanation because we have 5 minutes to wrap this up. Le mot que je dois décrire IDEF, c'est l'agent de développement et essentiellement l'agent du changement. L'agent du changement, pourquoi? Parce que à travers nos évaluations, certaines ont été très influentes au niveau de la banque et qui ont permis le changement même au niveau de la banque, de la culture de la banque dont Joseph parlait. Parce qu'à ce niveau-là, on est passé de la culture d'approbation à une autre culture plus orientée vers les résultats. Cette action était favorisée par le département de l'évaluation qui était à l'introduction, par exemple, de la théorie du changement, à l'introduction du cadre logique. OK. All right, thank you. Thank you, Mohamed. Inès, one word to describe IDEF and why? We're making it quick. Bon, je dirais utilité.
utilité dans le sens du fait qu'elle est déjà là, mais aussi utilité dans le sens qu'il faut la renforcer, utilité du département. Merci. Wonderful, thank you. Fode? Yeah, okay. For me, I'll just, given what my colleagues have just said, I'll just put the word there, engage. Engage to listen, engage to learn, engage to innovate, and engage for meaningful, to engage to understand development success, challenges, and needs. Wonderful, thank you. Did you speak, Joseph? Not yet. Yes, please, Joseph, and then Mirta. Joseph, go ahead. Moi, je dirais pour l'action. Sorry? Pour l'action. Pour l'action, action. Okay. Parce que l'évaluation apporte des éléments de preuve. Les éléments de preuve comme doit être utilisé par le bénéficiaire qui est par exemple la banque ou le pays. Donc un processus d'apprentissage, mais ça s'arrête pas là. Une fois que j'ai appris, il faut que je puisse mener des actions. All right, thank you. Mirta? Moi, je dirais bénéfique et succès. Parce que le département d'évaluation est bénéfique pour toute la banque, surtout pour nos opérations. Et puis, ça ne fait que développer le succès de nos projets, de l'investissement de notre budget. OK. Super. Thank you to all of you. This has been quite an informative session. Some of the things that I've taken away, especially this last, your last description of IDEF is that it's a change agent, which is true. It is useful. It is important to engage, to listen, to learn, to be innovative, to understand development goals. It is there for action and it's beneficial for the whole bank. And another thing that I retained was how to speak truth to power, because in the end, that's at the core of it, because you can do all kinds of fancy evaluations. If there's no uptake in the evaluation results, it would all have been for naught. And I like the suggestions that you made that you need to engage, you need to collaborate, you need to be diplomatic in how you go about your work. Because of course, the whole purpose of doing evaluation work is to support the work that the institution is doing. We were not able to go to all the questions, but like I said, colleagues, you'll have those questions will be answered and you'll get your responses. So this is it for this session. I thank you. We really drew on your rich experience. Thank you for sharing it with us. Thank you to the audience for the questions. And now I am also again delighted to now invite the colleague here, E.D. Matungulu, my apologies, to make closing remarks. As you may recall, colleagues informed us that IDEF reports to CODE. So he is here to make closing remarks. And I don't know whether Ambos, the acting evaluator general, will also speak, but we've closed this session. And let me just check, make sure that ED is on the line. Is ED Matungulu here? Hello? Is Edie on the line? All right. He was, but I think he's got out. Sorry? He's on now. Okay. He's now on. Edie Matungulu, are you can you hear me? Well, while we're waiting for the ED to come on, I'll give an opportunity to one of my colleagues because I see him signing on. Because I cut short my colleagues, I know they still had a lot to share. I was going to give them an opportunity to do so, but I think the ED is here now and we have our eye on the clock. So I will just wait for him to come on to close the session for us. Welcome, E.D. Matungulu. We've just ended the previous session and we're now handing over to you for your closing remarks. We cannot hear you yet. Please turn on your microphone. You're muted. Wonderful. Thank you. Over to you.
Merci. Merci beaucoup, Félicia. J'ai eu quelques difficultés de connexion. D'abord, mesdames et messieurs les participants et les panélistes, je suis content de me joindre à vous cet après-midi en clôture des travaux pour en présenter les grandes conclusions, comme vous l'avez dit, ainsi que les messages essentiels. Je commencerai d'abord par remercier tous ceux et toutes celles dont la participation, la contribution a permis la bonne conduite de ces travaux importants de la semaine de l'évaluation qui se termine. Il faut commencer d'abord évidemment par la haute direction de la banque et en particulier le président Adesina lui-même, les membres du conseil d'administration que j'ai le privilège de représenter cet après-midi, bien entendu tous les présentateurs panélistes des organisations et partenaires et des pays membres régionaux. Je voudrais aussi remercier évidemment tous les participants. Je n'oublierai pas l'infatigable personnel des services de l'évaluateur ou de l'évaluation générale. Avant de passer à ces conclusions, je voulais d'abord partager avec vous une leçon que j'ai apprise d'un vieux sage africain, un vieux sage africain qui nous a malheureusement quittés depuis quelques années. Ces vieux sages africains avaient l'habitude de dire, et je vais essayer de le citer, « Au commencement était l'action et l'action engendra les progrès. » Manifestement, je crois que le vieux sage qui nous a quittés avait raison. Mais il avait raison seulement jusqu'à un certain niveau. Et je ne pense pas que c'est M. Faudet qui me contradira quand je dis que le vieux avait raison seulement jusqu'à un certain niveau. Car comme nous avons pu nous en rendre compte pendant les deux jours que nous avons passés autour de cette table virtuelle, ce ne sont pas toutes les actions qui peuvent effectivement engendrer le progrès. En effet, les initiatives qui nous font avancer sont celles qui se fondent sur les conclusions et les leçons, de bonnes analyses préalables, de bonnes évaluations des faits et d'expériences antérieures. Ainsi, je crois, pour compléter la réflexion du vieux sage qui nous a quittés, nous pouvons dire avec un peu plus de confiance, au commencement était l'action inspirée par l'apprentissage de l'évaluation. Et c'est cette action bien informée qui engendra le progrès. Je terminerai ainsi ces propos liminaires en rappelant, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises autour de cette table pendant les deux derniers jours, l'apprentissage à partir de l'évaluation est une ressource clé de développement, parallèlement au financement, pour l'obtention de résultats durables en matière de développement. Parce que le plus souvent, évidemment, on se concentre sur les questions de gap de financement, qui sont importantes, mais je crois que c'est aussi important de relever le fait que si l'action que vous menez ne bénéficie pas, notamment des leçons d'une bonne évaluation des expériences antérieures, l'argent seul ne suffira pas pour faire avancer. Et donc, comme on le disait, c'est l'action, mais une action réfléchie, bénéficiant des leçons d'une évaluation bien conduite. C'est cette action-là, bien informée, qui engendrera le progrès. Voilà ce que je voulais avoir comme propos liminaire. Maintenant, je vais vous livrer les conclusions des travaux de cette semaine d'évaluation, les points clés. En rappelant d'abord, mesdames et messieurs, que dans le cadre de la pandémie mondiale de COVID-19 et à 10 ans du terme des objectifs de développement durable, l'édition 2020 de la semaine d'évaluation du développement de la BAD
organisée sous le thème de l'apprentissage au changement transformationnel en Afrique s'est focalisée sur la manière dont l'apprentissage efficace de l'évaluation favorise la réalisation de résultats durables en matière de développement. L'apprentissage a été abordé du point de vue de la façon dont les organisations apprennent, la manière dont se produit le passage de l'apprentissage à l'action. Des évaluations influentes antérieures ont été explorées pour comprendre comment elles ont contribué à façonner les politiques, les stratégies de développement, les plans de développement, les budgets et à conduire à un changement transformationnel. En prélude, une clinique des opérations a été organisée pour sensibiliser le personnel de la BAD sur la qualité à l'entrée des opérations, ainsi que les outils et l'appui technique existants au sein de la banque et destinés à soutenir les projets, les équipes projets. Et puis s'est tenu un événement de partage de connaissances pour aborder la question du suivi des objectifs de développement durable. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir des travaux de la clinique des opérations? Un certain nombre de points clés peuvent être listés. D'abord, l'évaluation indépendante de la qualité à l'entrée des opérations de la BAD de 2018 a révélé des lacunes en matière de qualité. Pour y remédier, la direction de la BAD a élaboré un plan d'amélioration de la qualité. Dans le cadre de ce plan, la banque a lancé une académie des opérations en ligne en 2019 afin de renforcer les capacités du personnel en matière de qualité. Près de 500 employés de la banque ont fréquenté l'académie. L'objectif à terme est de la déployer au sein des unités d'exécution de projets au niveau des pays membres régionaux. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'indemnisation des personnels affectés par le projet est une cause majeure de retard de mise en œuvre des projets. Lors des études préliminaires des projets, il est donc important de clarifier les ressources financières disponibles pour les personnes affectées. Un troisième point, les nouveaux projets qui tirent les leçons des projets antérieurs de la BAD et ceux dont les études techniques et de faisabilité ont été réalisées avant l'approbation du conseil d'administration sont généralement moins susceptibles d'être confrontés à des retards de démarrage. Un dernier point à retenir des travaux de la clinique des opérations, la banque dispose d'une expertise pour le renforcement de l'attention portée aux questions transversales telles que le genre, les sauvegardes environnementales et sociales. Par exemple, elle utilise un système de marqueurs de genre pour catégoriser et intégrer les genres dans ses projets. L'intégration d'une perspective sexo-spécifique de la conception du projet à son achèvement est appuyé par l'équipe en charge des questions de genre de la Banque africaine de développement. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne l'événement de partage de connaissances sur les ODD, on peut retenir quatre grands points. Premièrement, l'étude de cas de l'Ouganda a montré qu'un engagement fort du gouvernement est essentiel pour progresser dans le suivi des ODD. En développant un cadre spécifique aux ODD et en établissant un secrétariat en charge des ODD au sein du bureau du Premier ministre dans le cadre de l'Ouganda et de groupes de travail sur les ODD, le gouvernement a été en mesure de coordonner le suivi et la communication en matière d'ODD à travers diverses institutions et divers secteurs. Deuxième point, obtenir des données de qualité pour certains indicateurs des ODD dans des secteurs tels que les infrastructures, l'éducation, l'environnement est un défi.
le partage d'expériences entre les pays africains pourrait aider à développer des solutions innovantes aux contraintes liées aux données. Et je crois que c'est aussi un exercice auquel vous vous êtes employé pendant les deux derniers jours. Troisièmement, le portail ouvert de données soutenu par la Banque africaine de développement, développé à la demande de l'Union africaine, comprend 54 portails de données nationaux et 16 portails de données au niveau régional. Le portail qui fournit des données complètes sur les pays africains pour le suivi des ODD est également utilisé par d'autres organisations internationales comme le Fonds monétaire international, l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates. Enfin, sur ce qu'on peut retenir de l'événement de partage des connaissances sur les ODD, il faut relever que la plupart des pays africains manquent de données chronologiques pour l'analyse et l'établissement de rapports sur les indicateurs des ODD. Il est nécessaire d'investir dans des approches et des outils de collecte de données à distance, étant donné évidemment les contraintes actuellement imposées par la COVID-19. S'agissant de la question de savoir comment les organisations apprennent, il faut noter que les caractéristiques essentielles d'une organisation qui apprend sont les suivantes. Premièrement, un leadership qui valorise l'apprentissage et le démontre au personnel. Deuxièmement, une culture qui permet au personnel de faire des erreurs et d'apprendre de ses erreurs plutôt que de déformer les faits. L'innovation permet au personnel d'identifier les lacunes et d'innover rapidement pour y remédier. Troisièmement, l'humilité et l'ouverture d'esprit sont importants. Être conscient de ne pas détenir toutes les réponses et encourager la curiosité est une réponse, plutôt rapide aux besoins des clients. Enfin, créer des conditions favorables à l'apprentissage du personnel et associer le développement des capacités à la progression de carrière. L'apprentissage institutionnel commence par l'apprentissage individuel. Les départements en charge des opérations de la Banque africaine de développement préparent un plan d'action de la direction pour répondre aux recommandations des rapports d'évaluation. Cependant, l'apprentissage des évaluations ne se produit pas seulement lorsqu'un rapport est discuté en conseil, mais aussi pendant le processus d'évaluation. Cela nécessite bien sûr une interaction renforcée entre les équipes d'évaluation et le personnel opérationnel le long du processus d'évaluation. La crise de la COVID-19 a été une opportunité d'apprentissage pour les organisations de développement, une opportunité d'apprentissage certainement pour la Banque africaine de développement en vue d'adapter les interventions spécifiques aux clients et une opportunité d'apprentissage pour l'OIT sur l'importance de maintenir un bon dialogue social avec ses parties prenantes et d'apprendre de ses pairs. Un autre point qui a fait l'objet de discussions pendant les deux derniers jours concerne l'apprentissage à l'action. Et à ce sujet, nous pouvons retenir notamment ce qui suit. Les évaluations sont effectuées dans un but, et ce but est l'efficacité du développement, comme un des intervenants l'a rappelé tout à l'heure. Ci-dessous, nous avons quelques facteurs clés de succès pour accroître l'utilité des évaluations. Communiquer la proposition de valeur, la qualité du processus d'évaluation, bien entendu, encadrer le parcours utilitaire de l'évaluation comme une co-création de connaissances et de données probantes. La qualité des résultats et des recommandations de l'évaluation
évidemment est extrêmement importante. Et puis enfin, nous avons la problématique de la diffusion efficace des résultats. Les recommandations d'évaluation qui sont concrètes, pratiques et exploitables et basées sur le contexte augmentent la probabilité d'utilisation. Deux derniers points sur la question de l'apprentissage à l'action. Le parcours de l'utilité de l'évaluation commence par avoir l'esprit ouvert et comprendre que l'évaluation n'est pas une mission de recherche de panne. L'implication des principales parties prenantes dès le début d'une évaluation permet d'éviter les surprises et garantit l'appropriation des résultats de l'évaluation. La création de l'espace, du temps et de ressources pour l'apprentissage et la recherche d'une juste, plutôt d'un juste équilibre entre l'apprentissage et la responsabilité sont des catalyseurs importants pour accroître l'utilité des évaluations. Enfin, en ce qui concerne un mot sur les évaluations qui ont fait la différence. Un point sur lequel, également, pendant les deux derniers jours, nous nous sommes focalisés. Est-ce qu'on peut retenir les évaluations qui ont fait la différence? Premièrement, l'évaluation est essentielle pour s'assurer que les objectifs d'un effort de développement sont atteints. Deuxièmement, le leadership joue un rôle clé en influençant la perception et l'utilisation des résultats de l'évaluation. Puis la direction de la banque, depuis plutôt la direction de la banque jusqu'au leadership des pays membres. Troisièmement, pour améliorer l'utilisation des résultats de l'évaluation, les bureaux d'évaluation doivent être stratégiques dans les évaluations qu'ils entreprennent. Au début d'une évaluation, ils devraient examiner attentivement le contexte de l'évaluation qu'ils cherchent à influencer. Enfin, les délais, la pertinence et la qualité des résultats de l'évaluation sont des facteurs clés qui font changer la donne de l'évaluation. Le moment choisi pour une évaluation est essentiel pour éclairer la prise de décision. Voilà un peu en résumé les grands points qui ont fait l'objet de nos discussions pendant les deux derniers jours. Et pour terminer, on a voulu saisir, disons, autour de six de ces points que nous avons évoqués tout à l'heure, qui constituent, en ce qui concerne cette semaine d'évaluation, finalement, à ce que l'on pourrait considérer comme étant les points principaux à retenir de cette semaine de l'évaluation. Alors, quels sont ces six points que nous retenons? Premièrement, la qualité des opérations est un déterminant important de la fluidité de leur mise en œuvre et de l'atteinte des résultats de développement. Deuxièmement, l'engagement des pays à mettre en place des mécanismes de mise en œuvre des objectifs de développement durable est crucial, comme on l'a vu, bien entendu, dans le cas de l'Ouganda que j'évoquais tout à l'heure. Dans le suivi des progrès vers les objectifs de développement durable, l'évaluation peut compléter utilement les suivis. Des données fiables sont importantes à la fois pour le suivi et pour l'évaluation. Troisièmement, une organisation ouverte à l'apprentissage à partir de l'évaluation et d'autres données probantes est plus susceptible d'obtenir des résultats de développement transformationnels qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable. Le quatrième point, pour être ouvert à l'apprentissage, il faut qu'il y ait une culture dans l'organisation, propagée depuis la tête, selon laquelle il est acceptable de faire des erreurs, une reconnaissance que toutes les interventions ne seront jamais parfaites et qu'il pourrait y avoir des lacunes. Une culture qui voit les lacunes comme une opportunité d'apprentissage et d'innovation.
Cinquième point, la promotion d'une telle culture commence par le leadership de l'organisation et descend en cascade jusqu'au niveau de la direction, puis jusqu'au personnel. Enfin, l'évaluation, pour sa part, doit être utile à l'organisation. Les évaluations doivent être pertinentes et adaptées aux besoins en connaissance. Les utilisateurs finaux et les autres parties prenantes doivent être consultés et impliqués tout au long du processus d'évaluation. Et je crois que c'est M. Mwanda qui l'a rappelé encore cet après-midi. Les données, constatations et conclusions doivent être crédibles et les recommandations doivent être pratiques et applicables. Les résultats de l'évaluation devraient être largement diffusés et il devrait y avoir une sensibilisation active auprès de ceux qui sont censés tirer les leçons d'évaluation et les appliquer dans la conception et la mise en œuvre de nouvelles interventions pour les aider à apprendre de façon active. Voilà, mesdames et messieurs les participants, les panélistes, ce que nous pouvons retenir comme point essentiel comme conclusion de cette semaine importante de l'évaluation qui se termine cet après-midi organisée par la Banque africaine de développement. Je vous remercie. Thank you, Idi. Karen, are you coming on? Thank you, Idi. And that brings us to the end of the session. I'll hand over to Karen. Thank you, everyone. Yes. Thank you, Felicia. Thank you very much. Thank you, Idi. I think the vice chair of CODE has just summarized shows how rich discussions have been over the past 3 days and the the important takeaways that we have heard, I think, constitutes our marching orders for the way forward. These are things that that IDEV and the bank should apply. IDEV and management working together to take this this learning agenda for transformation forward. And so I'm glad that we have so many clear messages coming out of the discussions the past few days. So I'm really don't have much to add to that, perhaps just to say thank you very much to the CODE vice chair for his summary, for his takeaways. Thank you to all of the moderators and presenters and panelists, to all of the staff who have been involved in this event from IDEV, but also, for example, our IT department, our communications department, the interpreters. It's the first time we had our evaluation week fully online. Of course, it's been a challenge, but it has gone very, very well. And so I just want to thank everybody who has been involved and who has supported this event, as well, of course, as all of the participants who took part in the 6 sessions, who sent us their comments and their questions and who shared their experiences. Thank you all very much and see you next time. Thank you. Bye. Congratulations to everybody. Thank you. Bye. Bye. Merci à tout le monde et un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Thank you. Same to you. Bye.